ça tout le monde, c'est Tazric Perassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 1035 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait continué notre mode aventure dans la carte de Termina. On nous sommes à 62%, mais à plus de 38%. Et souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait fait aussi un épisode farm dans lequel on avait tout simplement récupéré notre masque Zora. On avait récupéré une bombe supplémentaire aussi et un masque Goron. Voilà, je vous le dis. Donc voilà, donc au moins c'est fait. Et donc les amis, aujourd'hui on va tout simplement partir en direction tout simplement de la case qui est là. Alors en termes de cartes d'objets, enfin en termes de choses à faire, tout ça, en termes de cartes d'objets à nous qui nous resterait à posséder tout simplement, il nous reste 6 boussoles. Les 6 boussoles, bon, on les aura déjà là, mais de toute façon, voilà, je les compte pas dans le machin, dans le truc. Donc, il nous restera 6 boussoles, si je compte pas les cases nouvelles qu'on va faire. Il nous manquera 5 bombes, tout simplement. Il nous manquera 2 flèches de glace et enfin 3 masques Zora. Voilà, je vous le dis. Donc, voilà, les 6 boussoles. Au total, il en restait 8 boussoles, mais j'ai enlevé les 8 boussoles vu qu'il reste 2 cases qu'on n'a pas encore faites. Et du coup, les amis, aujourd'hui, on va pouvoir s'attaquer à l'ultime case au niveau des géants. Voilà, donc avec la carte d'objet des géants. Donc, on va utiliser notre masque Zora là-dessus sur le tourbillon. Voilà, l'ennemi est apparu, parfait. Et du coup, nous avons un réceptacle de cœur à récupérer avec Fear et les deux scutulateurs. Donc, on va faire la première aujourd'hui. Et c'est un choc, on doit éliminer le géant dans la mer. Ok, donc à mon avis, dans le temple de l'eau, certainement. Donc, on peut voir qu'en face de nous, nous aurons du coup des Ghirahim, des Moblins blindés, des Darknut et évidemment Mandala. Ouais, donc il y aura Mandala. Et avec nous, on aura du coup des capitaines d'Hyrule et Shake. Voilà, donc écoutez, bon, on va s'y attaquer. Donc voilà, l'objectif du jour est le rang A et la première ce que tu l'adores. Et puis après, on verra sur les autres trucs. Donc du coup, oui, on va utiliser notre cher Fea. Voilà, crépuscule, ça va être pas mal. 500 de dégâts. Oui, il y a plus épée blanche divine, 500 de dégâts. On y va. On y va. Alors, on n'était pas dans le temple du temple de l'eau. Du temple du temps, j'ai des cons. Le temple de l'eau. on est dans le Celestbourg City. Ouais. Skyloft, pardon, pas City in the Sky. Donc du coup voilà quoi. Nous sommes là. Alors, Fea, Shake, des capitaines d'Hyrule. Et on peut voir qu'en face de nous, nous aurons du coup Ghirahim, des rechargeurs de magie. Et des Moblins blindés. Et des Darknuts. Voilà. Et la liste d'efforts, donc ouais, bon, la clé du boss sera soit ici, soit ici, soit ici. Voilà, donc il n'y a que 3 possibilités. Voilà, là ou là. Voilà. Bon, alors on est au bon endroit. Moi j'aime bien être à cet endroit-là. Donc là, c'est parti. Tac, tac. Voilà. Donc le temps qu'ils viennent, les ennemis, vers ici, qui vont tous venir au même endroit. On va se faire plaisir, on va tenter de défoncer un maximum de monde. Alors le terme de KO, je pense que vu le nombre d'ennemis qu'il y a, je pense que le terme de KO est qu'on est en train de tuer déjà. Je pense qu'on est tranquille, hein, je vous le dis. Sur les nombres de KO, on est tranquille. Mais maintenant, c'est la gérance qu'il faut. Parfait, ils ont pris la bonne route. KO, merci. KO déjà. J'avais dit, hein, ça allait être tranquille en termes de KO. On va les laisser venir nos confrères là. Sachant que c'est bien, on a une épée DX, donc du coup on le ressemble, qu'on fait des dégâts. Tac. Voilà, ils arrivent. Il est là. Voilà, là, on va faire vraiment des dégâts, je vous le dis. Boum. Voilà, l'éclaireur s'approche. Ok, attention. Voilà, vraiment, on gère pour le moment. Apparemment, c'est des. Ouais, ils ont pas mal. C'est des bombes à points de vie. Hein. 900 KO, attention. Là, on a du coup fatal. On y va. On est bientôt à 1000 KO. Alors qu'on a à peine débuté la case. Hein, tout simplement, enfin la carte. L'aventure, ok. On est à
y a la spéculador qui est apparu. Je sais pas où aller. On va y aller. Hein. Spéculador. Elle est à côté. Alors là. Parfait. Vous avez vécu spéculador, vous avez obtenu un morceau d'illustration. Alors là, honnêtement, on peut être que bien. Alors du coup, si la fois prochaine elle est là aussi, ça m'arrangerait. Ok. Ok. Pour le moment, on gère. Le moment de blindé, il est mort. Il ne manquera plus qu'à éliminer quelques ennemis et puis à prendre l'effort et c'est bon. Hein. Bon, bah là. Bon, oh, vraiment, les KO, on est déjà à 1100. Concrètement, easy win, quoi, les KO. C'est une facilité. C'est les ennemis qui sont appelés l'éclaireur. Merci! Eh oui! Et voilà, niveau 102. On est un petit peu plus puissant. Voilà, il y a du monde. Il y a 4 minutes. Après, il restera plus que l'effort, donc ça va, c'est tranquille après le reste. Putain, on est à 1006. On est à 1006, ça veut strictement rien dire. Voilà, ce que tu l'adores, c'est bien qu'elle est apparue à côté. Ça m'arrange. Ça c'est vraiment une très bonne emplacement. Voilà, déjà toi tu meurs. Voilà, on est à 1009. Vous savez, il est KO, ça allait pas être le plus fou. Ah, s'il y a Dark Knight noir, ça veut dire que il y a forcément un soldat invocateur qui est apparu. Je pense que là. C'est bon. Voilà. Allez, maintenant, on va prendre le fort du bas. Parce qu'en plus, Mandala, il faudrait la faire pop aussi, ça serait bien. Et on est à 4 minutes. Ça va, enfin on est à 5 minutes. Là il manque plus que l'effort. C'est le moins chiant. Là c'est juste de la prise rapide de fort. Merci. Alors. Ok, la clé du boss n'est pas là malheureusement. On continue notre périple. Bon, on va pas prendre le. Pas tuer le chef de poste parce que j'ai peur de pas avoir le temps réellement parce qu'on est déjà quand même à 5 minutes mine de rien, mais on est quand même voilà, même si on est entre guillemets vers la fin, on a fait le plus gros là c'est juste des petits trucs, j'ai pas envie de perdre plus de temps que ça, surtout j'ai peur que Mandala, alors même si c'est élément ténèbres Mandala hein, alors qu'on est élément lumière donc ça devrait pas poser de problème, mais je vous avoue que j'ai une petite chaque fois j'ai une petite appréhension. En fait, le traumatisme du banni avec la période Zelda à l'époque de la carte, il me semble, de la carte. C'était la carte Master Quest, si je dis pas de conneries. C'est un petit traumatisme. Bah, j'allais dire un traumatisme, c'est un gros mot, mais je veux dire que c'est. C'est un gros mot, mais bon, voilà quoi. Ça reste un truc de. Enfin. Un truc dans le jeu qui m'a fait peur, du coup, hein, à l'époque. Quand j'ai vu que c'était. Compliqué, on est arrivé à 15 minutes, même 15 minutes c'est pas suffisant pour le banni, donc du coup moi je veux plus me faire baiser et voilà la clé du boss, la clé du boss. Merci, vous avez obtenu la grande clé, c'est bien dire lors du combat contre le boss. Ta-la-lam-pa-la-la-la-la-lam-pa-la-lam-pam-pa-la-lam.
Donc t'as 6 minutes, ça va, le temps de battre. Le temps de battre l'ennemi. Allez, c'est parti! Allez, Garaim! Bon, ça va pouvoir faire pop Mandala. Monarque démoniaque, Garaim! Allez! Oh, on lui enlève beaucoup de vie. Ouais, on voit vraiment que élément lumière contre élément ténèbres, ça fait plaisir. Hein. Ok. Là, on peut le tuer. Et voilà, c'est fait. Et du coup, Mandala. Ah, ok, elle apparaît. Bah, parfait! On va pouvoir prendre les deux forts à côté. Notre cher Mandala! Mandala, plante tentaculaire vénéneuse. Oh, je sais qu'on dit pas mandala parce que moi je dis mandala parce qu'en fait y a pas de, je sais pas pourquoi mais y a pas de a. On dit mandala normalement, mais bon je trouve que mandala c'est mieux, c'est beaucoup plus plus joli et tout, plus épique. Donc pour moi ce sera mandala, je m'en fous. Enfin mandala. Mandala, mandala. Parfait. Urgence. On est à 8 minutes, ça va. Donc là, le fort, malheureusement, va être pris. Enfin, notre fort à nous. Tac. Allez. Ouais. Yes. Attends, par contre, le nombre d'ennemis qu'il y a dans notre fort, c'est abus-bus. Ah, je ne branche pas ici. Tech. 3000 KO, ça veut strictement rien dire. Tech. Mandala, elle arrive. Allez. Oh, perfect RNG. Ok, coup fatal. Boum. Coup fatal. On va faire un coup fatal sur coup fatal, hein, je vous le dis. Coup fatal. Boum. Allez, combien on lui enlève? Ok, en deux fois, ça sera bon. En deux fois, ça sera bon. Tech. Ok. Ok, il manque plus qu'une dernière fois, ça sera bon. Come on. Merci. Ok. Oh. First try. Oh, 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 j'ai tout eu du premier coup. Allez. Merci, c'est bon, normalement il est mort. Oui, elle est morte normalement. Oui, perfect. Du coup, logiquement, il nous restera ben, plus que 12 réceptacles de cœur avec Fea. Normalement, si tout se passe bien, plus que 12.
Et notre réceptacle de cœur, la victoire de rang A, est assurée. Bah écoutez, on va pouvoir du coup s'arrêter là pour cet épisode, pas pour aujourd'hui, non. Parce qu'il y aura deux autres épisodes aujourd'hui. Vous avez obtenu un réceptacle de cœur, votre énergie vitale est augmentée d'un cœur. Allez, plus que 12 avec notre chère Fée. Comme ça, bah du coup, à 22h30, on répète cette case, les amis, pour obtenir notre deuxième et sculpture d'or, tout simplement, d'ici. Enfin, de cette case. La toute dernière. Hey, 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 3000 ennemis KO, quoi. Éliminés. Alors, ok, que de la merde. 6900 rubis, 2700 rubis, 3900 rubis, 4400 rubis, 4400 rubis, 6400 rubis et 6700 rubis avec, ok, c'est pas encore fini, 9300 rubis avec une cape du Giraïm, une spore toxique de Mandala, 5 cases armure de Dark Knight, 2 casques de mobile blindés et un cuir d'Aigraphos avec une gelée chouchou, une broche d'Ilia Goutu, une broche d'Ilia, une silure de tôle et une eau sacrée et l'illustration, ok. Ok, ça se complète un petit peu. On n'a pas la suite de Lana, j'aurais bien aimé avoir son petit corps, mais non, il y a que les jambes et une poutre la tête, genre 10 pixels de la tête. C'est un peu triste, mais bon, voilà, why not, hein. Pourquoi pas. Du coup, bah, plus que 1, 2, alors 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça, 4. 5, 6, 7. Non, 7, pardon. Bah oui, 7, logique. 7 scutuladors qui nous restent ici. Et là, vous avez obtenu la carte d'objet géant. Du coup, bah, les amis, avant de la poser, on va déposer, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On les posera une fois qu'on aura terminé la prochaine Scutulador, tout simplement. Et d'ailleurs, le masque Zora ici est réapparu, c'est bien, pour l'épisode farm. Et du coup, bah, merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode, du coup, numéro 1035 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. Et on se dit à l'épisode 1036, qui sera du coup disponible ce soir, les amis, à 22h30 pétante. Allez, d'ici là, bah, du coup, portez-vous bien, ciao tout le monde. Hey, peace!